Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est l'épisode 8 de notre let's play sur Tomb Raider, l'aventure spoiler en fait de Tomb Raider que je joue de bout en bout à la caméra avec vous. Et aujourd'hui on va essayer de retrouver Sam. Moi qui croyais que la situation ne pouvait pas empirer. C'était quoi ces choses dans le monastère? Ils étaient vêtus comme des gardes tempêtes. Leur cri était presque inhumain. Merde, arrête, Lara. Écoute-toi un peu. On croirait entendre papa. On dirait les vestiges d'une civilisation perdue. Non. Là, je parle vraiment comme papa. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont tué ces hommes et qu'ils n'auraient pas hésité à me tuer moi aussi. Mais... c'est pas faux. Je ne dois pas penser à ça pour l'instant. Sam est en danger et je dois la ramener. Elle compte sur moi. Alors... esquive élimination, esquiver les attaques des ennemis peu protégés et attaquer les au corps à corps pour les tuer sur le coup. Ça me va, mais tellement, vous avez pas idée. Appuyez sur B pour esquiver, puis au signal, appuyez sur Y pour tuer sur le coup les ennemis sans casque. Ça me va super bien. Ensuite, c'est maîtrise esquive élimination. Pour ça, faut que je sois spécialiste, donc ça va pas être tout de suite. Maîtriser 5 compétences supplémentaires pour débloquer le niveau 3 spécialiste. Ok. Ok, je vais peut-être essayer d'améliorer mon fusil à pompe. Étranglement maximum. Ajoute un mode de tir alternatif qui empêche la dispersion, augmente ainsi la portée. Ouais. Manchon de canon. Le manchon de canon aéré facilite le maniement de l'arme, permettant ainsi d'augmenter les dégâts. Ça me plaît. La cadence de cycle plus rapide. Ok. Poignée rembourrée. Stabilité de l'arme. Ok. Allez, c'est parti. Pour les dégâts supplémentaires. Alors, par là on peut passer. Par là aussi. Allez, on va voir ce qui se cache par ici. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai appuyé sur B pour me protéger, enfin pour me cacher, sauf que elle a voulu descendre de l'endroit. Me voilà donc mort. Très bien. Non, c'est pas là, c'est pas ça que je veux faire. Voilà, ça va mieux. Hop, allez, on y retourne. Leur faire exploser quelque chose, j'imagine. Ah ok, il y a un géocache ici. Ok, on va essayer de la jouer un tout petit peu plus discret, parce que bon, si je leur tire d'ici, je vais être grillé, mais genre vite fait quoi. Donc on va voir s'il n'y a pas moyen de faire une approche un tout petit peu plus... pépère. Je suis pas certain. Qu'est-ce que c'est que tous ces trucs qui ont le symbole du grappin? Ok. J'ai capté. Non. Voilà. Raté.
forcément. Décidément, les cibles en mouvement, c'est pas mon truc. Voilà. Ah, quand même. Hop. Modification d'armes disponible. On va enlever ça. Et on va y retourner du coup. J'aime bien mon arc, il est assez joli. Et j'imagine qu'on peut avoir un autre arc par la suite. Alors, il reste quand même 3 personnes. Je suis obligé de bourriner là en fait. Ça s'est bien passé. L'effet de surprise m'a fait du bien. M'a permis d'en tuer 2 très rapidement. Ok, alors. Un géocard juste ici. Et on est parti pour le fusil à pompe. Oh mon dieu, c'est bon maintenant. Lara, t'es là? Je suis là, Sam. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'ils me veulent, Lara? Un rituel de feu? C'est du délire! Écoute, je viens te chercher, ne t'en fais pas, je vais te sortir de là. Je t'en prie, sors-moi d'ici, Lara! C'est promis. C'est promis, Sam. Oh non! Sam! Non! Sam! Allez! Lâchez-la, bande de salauds! Ne la touchez pas! La bande originale du jeu me fait beaucoup penser à celle de Lost. C'est assez... Elles sont assez similaires. Est-ce que... Non, je peux pas sauter par là. Si, je peux sauter par là. Il n'y a que des munitions. Ah non. Allez. Bon, c'est quand même assez loin son truc à Sam là. Je vois pas, je le vois plus. Ça c'est fait.
Hop, c'est jour de baston aujourd'hui dans l'épisode 8. Ok. Et ça servait à quoi ce truc là-bas? Ah! J'aurais pu faire ça pour tuer les gars en fait, ok. Mais vu qu'ils ont popé avant que j'arrive à cet endroit là. Pas moyen de contourner. Je dois traverser. Qu'est-ce qu'elle prend cher, la Lara? Il y a peut-être des provisions à bord. Il y a un nombre de... d'avions et d'hélicoptères au mètre carré à cet endroit-là, c'est assez incroyable. Je peux pas passer par là. Le somalien est en train de se séduire. Et pour l'autre alors? Oh, cette odeur. Où est passé le vieux? Pas de quoi vous parler. Tu mens. Je sais que tu t'es enfui avec lui. Je connais quelque chose qui fera parler. Dis-le-moi. Dis-moi où il est. Dégueulasse. Ah, qu'est-ce que ce truc? C'est le Somalien, il n'a fait que les plombs. Encore? Toujours aucun signe du vieux? Non. Mais
Et donc, ça donne quoi? Non, les enfants. Il y a quand même beaucoup de monde. Hein. Je comprends pas. Pourquoi ma chère fait un temps à les garder en vie? À cause de la fille. Ils essayaient de la sauver. En les gardant en vie. J'ai besoin d'aide, ici! Ok, c'était tellement stupide. Oulala, oulala. Oh oh. Il semblait avoir vu quelqu'un d'autre là-haut. Bon, et pendant ce temps, je pisse toujours le sang. Faut que je trouve l'hélico. Et je sais pas du tout. Ah, il est juste là, ok. On va voir ce que ça donne le petit flingue, ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Qu'il y en avait quand même. Et merde. Ah, pas cool. Waouh, super. C'est pas du tout pour ça que tu venais, mais bon, peu importe. Oh, ça va être génial. Ben oui, forcément. Forcément, ça fait mal. Haha. Non, voilà une bonne nouvelle. Ross, tu m'entends? Ross? Lara, tu vas bien? Je vais bien. J'ai pas l'impression que j'ai... Je vais bien, Ross. Où es-tu, Lara? Je suis dans une espèce de bidonville, près du palais fortifié. Je suis toujours sur la colline. Comment tu as fait pour descendre aussi vite? C'est une longue histoire.
Oui, je vois le bidonville d'ici. Tu es près du grand portail? Je me dirige vers lui. C'est la fille! Oh, merde! Là! Tirez, tirez! Ils sont au taquet. Tiens! Oh là là! Faut se calmer, hein! Aïe. D'un coup, je me sentais super puissant avec mes flèches incendiaires. Ça se passe mal. Ça se passe très mal. Cher. Aïe. C'était tendu. Augmente la portée. Cadence de tir. Ouais. Non. Chargeur double. Chargeur double. Et ah mince, j'allais augmenter la portée, mais j'ai plus assez. J'ai plus ce qu'il faut. Allez, on va looter tous les cadavres.
en a quelques-uns qui ont disparu quand même. Hein. Pour ne pas dire la totalité d'ailleurs. Ça tombe bien, j'avais besoin de flèches. Alors, c'est par où qu'on va? Je monterai bien tout là-haut. Si c'est possible, bien sûr. Ça m'a l'air possible. J'aime bien, c'est un endroit un peu plus vertical. Plutôt sympa. J'ai hâte de voir à quoi il ressemble. Ça sert à quoi ça? Ok. Faut pas l'intérêt même. Ah, une alarme désactivée. Ok, attends, j'ai loupé quelque chose. Ok. Je sais pas à quoi ça a servi, mais bon. On va avancer un petit peu, et puis on va devoir se laisser dans cet épisode 8. Un épisode 8 riche en action. En castagne et en autres assassinats. Dans le Japon de l'ère Edo, les tenues des hommes n'avaient pas de poche. Les inro étaient utilisés pour ranger les effets personnels. Les ancêtres de nos portefeuilles. Ok. C'est marrant la progression en mode Metroid, Castlevania qui a été appliquée à Tomb Raider. Tous ces passages qui n'étaient pas accessibles auparavant et qui le sont maintenant grâce aux nouvelles armes que j'ai débloquées. C'est plutôt pas mal fait. C'est vraiment un sacré bordel. Tu parles d'une retraite tranquille. Si jamais je retrouve Ross sur cette foutue île, d'abord je lui collerai mon poing dans la gueule pour nous avoir amenés ici. Ensuite, à nous deux, on éliminera tous ces cinglés jusqu'au dernier. Comme au bon vieux temps. Mais sans ce bon vieux Dickie Croft. S'il était en vie, je suis sûr qu'il voudrait étudier ces fanatiques. Tous ces illuminés, je parie qu'il les trouverait fascinants. J'espère que sa fille a plus de jugeote et qu'elle a réussi à se cacher. Ces salopards sont dangereux. Je suis inquiet pour tous ces gamins. Alex, Sam, cette île va les bouffer tout creux. Voilà de l'optimisme. Comme je les aime. Allez, c'est là-dessus qu'on va se quitter pour l'épisode 8 de notre Let's Play sur Tomb Raider. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, me dire ce que vous pensez du jeu, et à venir voir ce que je fais et ce qu'on fait sur GameInfo.fr. Je serai très très heureux de vous y accueillir. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut à tous.